Bonjour, nous sommes le vendredi 21 mai. Je voulais commencer par une information nationale, parce que depuis le 19 mai, pour quelques jours, a démarré une campagne de sensibilisation autour de ce qu'on appelle les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les MICI. Parmi les MICI figure en particulier la maladie de Crohn. Ces maladies, elles touchent 250 000 personnes en France par an. Elles sont souvent évidemment très difficiles à vivre, mais également difficiles à avouer, il est compliqué d'en parler. Toute une sensibilisation a démarré, portée par plusieurs associations. Nabil Korte, un des conseillers municipaux de la ville, est particulièrement impliqué en faveur de la cause de ces maladies pour que les moyens soient trouvés pour lutter et également pour les faire mieux connaître et faire mieux accepter. Vous trouverez sur les infos, les sites de la ville dans les jours qui viennent. Justement, des informations à propos de ces maladies contre lesquelles il faut se mobiliser, comme contre d'autres maladies, bien sûr, à travers d'autres campagnes dont vous avez régulièrement écho. Mais je tenais à en parler dès le début de ce petit journal. Pour revenir aux informations strictement havanaises, eh bien, avant tout, pour les familles, vous dire qu'il ne vous reste plus que 10 jours jusqu'au 31 mai pour inscrire vos enfants pour l'accueil de loisirs de l'été. Juillet et août, avec deux thèmes cette année. Au mois de juillet, le thème, ça sera les fêtes du monde. Au mois d'août, ça sera l'espace. C'est, vous le savez, pour les 3 à 14 ans. Vous vous inscrivez soit en ligne sur le portail famille, soit en venant retirer un dossier à la mairie. Pareil, jusqu'au 31 mai, pour vous inscrire à Avant Vacances Sport, avec comme chaque année de nombreuses activités sportives proposées pour cet été à vos enfants. Il y aura également les chantiers citoyens qui vont rouvrir. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Le social. L'analyse des besoins sociaux est une obligation réglementaire pour toutes les communes. C'est un diagnostic que doivent faire les CCAS des villes pour mieux connaître les besoins de notre public, de nos publics, en ce qui concerne l'aide sociale, l'action sociale. Alors, dans ce cadre d'analyse des besoins sociaux, de diagnostic, eh bien, nous voulons en tout particulièrement mieux connaître les besoins des seniors. Donc si vous êtes dans ce cas-là, pour nous aider à mieux répondre à vos attentes, allez répondre à un questionnaire qui est déjà disponible, soit il est en ligne, vous le trouvez sur le site internet de la ville, ou alors dans les lieux, version papier, dans les lieux d'accueil du public que vous connaissez, la mairie, le CCAS, la médiathèque maintenant, France Service, la maison dans la vallée. Et puis vous aurez quelqu'un pour vous aider à remplir ce questionnaire si besoin, tous les jours au CCAS ou le vendredi, tous les vendredis de juin en mairie. C'est vraiment important que vous nous aidiez à bien cibler vos attentes. Grâce au démarrage du déconfinement, progressivement, l'activité culturelle, sportive repart à Avon. La culture, elle redémarre dès le 26 mai. Vous avez également eu dans vos boîtes aux lettres le petit fascicule de la programmation culturelle de cet été et de cet automne. Donc, dès le 26 mai, c'est le festival Shakespeare qui commence, avec un festival donc, qui sera gratuit dans toute la ville, avec plein de thèmes qui vont illustrer le théâtre de Shakespeare, du théâtre bien sûr, mais également du théâtre de clowns, des projections, tout un ensemble d'événements. Nous avons un petit point commun avec Shakespeare, c'est la rivière Avon, puisqu'il est né à Stratford, Upper Avon. Et Avon, évidemment, c'est la même chose que Avon. D'ailleurs, c'est la même racine, vous le savez, c'est le mot eau. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil qui nous permet aujourd'hui qui nous a donné envie de décliner vraiment tout un festival Shakespeare. Encore une fois, je le redis, totalement gratuit pour fêter aussi le retour des activités culturelles. Je vous avais dit que la médiathèque offrirait tout un ensemble d'activités maintenant qu'elle est ouverte. Eh bien, nous commençons avec des ateliers de traduction. Alors, ça aura lieu le vendredi 28 mai. Le matin à 10 h, un atelier de traduction à l'espagnol, de l'espagnol, mais qui s'adresse surtout aux professionnels, en fait, les enseignants, les médiateurs du livre, les éducateurs. En revanche, si vous voulez découvrir le japonais, eh bien, c'est tout public de 17 h à 18 h 30, traducteur d'un jour. Ça sera vraiment une façon un peu ludique de découvrir le japonais à travers l'exercice de traduction. Bien sûr, vous serez totalement accompagné par Corinne Atlan, qui est une traductrice du japonais. Le sport,
Nous démarrons dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques et de la labellisation qu'avons a obtenue Terre de Jeux 2024, une première activité qui sera une rando en famille. Alors une rando facile, vraiment tout public, y compris pour les familles, même si vous avez des petits dès 6 ans, même si vous avez déjà un certain âge. C'est une randonnée relativement courte, mais très belle, avec un point final intéressant, puisqu'il s'agit de monter à la Tour d'Ennecourt. Donc, la première rando de famille aura lieu le 6 juin. Le départ est à la gare. C'est gratuit sur le site internet de la ville. Voilà, je vous ai dit l'essentiel. Et puis, je suis très heureuse comme vous, je pense, de retrouver une vie qui, au fil des semaines, j'espère vraiment, va redevenir totalement normale. Et je vous dis à la semaine prochaine.